Bienvenue sur Rock Moderne, et avant d'ouvrir cet important unboxing du Japon, vous allez sans doute deviner de quoi il s'agit, je vais vous présenter deux nouveautés qui valaient la peine. Là, je vais quand même les mettre en endroit. Donc, le nouvel album de John Mayer, alors je vous rappelle que c'est un Américain natif du Connecticut qui a démarré en 2001, si mes souvenirs sont bons, et qui vient de sortir cette année donc son album blues rock américain Sub Rock avec le single New Light. Alors en exclusivité Clear Mint Vinyl, une exclusivité européenne sous licence américaine donc d'Amazon. Voilà. On le trouve encore sur Amazon. Alors dedans, on a évidemment les titres New Light, évidemment. Ensuite, on a Wild Blue, aussi un single. Et puis, Why You No Love Me. Et puis aussi, Till the Right One Comes. Voilà. Donc voilà la tracklist. Donc on a pas mal de singles. Album, je l'ai pris parce que bon, je suis pas trop blues rock, mais c'était tellement bien interprété, tellement mélodieux, tellement soigné, et ça court pas les rues aujourd'hui, donc voilà, bon, on va l'ouvrir. C'est un véritable ravissement pour les oreilles, pour une fois. Donc je me suis dit, avant qu'il n'y en ait plus, voilà, que je le regrette, bah, on va l'ouvrir. Alors ça c'est les tracklist. Bon, donc on trouve sa version européenne, on trouve facilement, et c'est un petit peu une version, je dirais, bottle translucide, voilà, couleur un petit peu fumée, un petit peu vert d'eau, je sais pas comment dire. Vous voyez un petit peu, là c'est vraiment la transparence est très fidèle là, voilà. Donc chez Columbia, évidemment. Donc très bon album que je vous recommande, donc l'album du mois, dirons-nous, qui est sorti cette année. Hein, voilà. Parce que ça peut être un des meilleurs albums que je vous présente, mais qui ne soit pas sorti ce mois-ci. Donc meilleur album du mois. On verra si c'est celui de l'année. Ensuite, un gatefold Inhaler, vous connaissez peut-être, I Won't Always Be Like This. Ça ressemble un peu à U2, et pourquoi? Parce qu'ils sont de Dublin, donc ce sont des Irlandais. Évidemment. Et dessus, on a It Won't Always Be Like This, le single. On a Cheer Up Baby. On a aussi My Kind Will Be Kind. Et on a ensuite, bah c'est tout, on a déjà pas mal, trois singles. Donc voilà la tracklist. Voilà. Le groupe, il s'agit d'une édition aussi limitée. Une édition exclusive, enfin distribuée par la Fnac, je ne sais pas si elle est exclusive à la Fnac, et Splatter, on va voir, qui était pas mal, parce qu'on ne trouve plus grand-chose maintenant de ce groupe en édition limitée. Bon, alors là, je vais en faire frémir quelques-uns, je vais essayer de le mettre à un endroit qui gêne pas trop, voilà, ici peut-être. Voilà, vous voyez, c'est tout à fait propre et au moins il n'est pas perdu. Donc, je vais vous montrer, bon, des versions live, évidemment. Bon, il s'agit d'un album studio, hein, mais là, on a des tournées live qui sont diffusées puisqu'ils sont actifs depuis 2017, eux. Donc, 2021, ça fait 3 ans. Donc, papier mat, carton mat, c'est assez sympa, avec une jolie pochette du groupe. Voilà. Donc ça ressemble un petit peu à U2, mais c'est différent quand même. Et là, on a donc évidemment toutes les tracklists, tout ça, les crédits. Alors je sais pas si au point de vue. Je regarde s'il y avait le nom quand même des interprètes. Produit, Engineering, Mastered, voilà. Toutes les chansons ont été écrites je passe la bonne pochette, hein.
Mais c'est difficile à déchiffrer. Alors. Bon, j'ai pas de nom à vous soumettre, bah, tant pis, écoutez. Voilà le nom du groupe. Et là, on a donc. Ces crédits ici, je vais peut-être vous les mettre en plus, voilà, en plus près, ça vous pourrez arriver à déchiffrer, je pense. Voilà, comme ça. Vous arriverez à découvrir le nom des membres de ce groupe. Et voici donc de chez Polydor, donc un translucide splatter qui est pas mal du tout. Alors, il y avait une édition rouge aussi qui était beaucoup plus chère, qui était 10 euros de plus, là c'était une vingtaine d'euros. Donc je l'ai pris, c'était en 180 grammes, en rouge, mais bon, c'est toujours le fameux rouge un petit peu marbré, toujours pareil, et qui n'était pas forcément si extraordinaire que ça. Voilà. Alors j'aurais aimé quand même vous donner un nom, mais bon. Voilà, tant pis. Donc voilà ce que je pouvais vous montrer comme nouveauté. Et maintenant, on va ouvrir l'unboxing. Voilà. Parce que comme je ne vais pas avoir des masses de nouveautés d'ici. D'ici la fin du mois d'août, je préférais donc vous les montrer d'abord. Alors, il s'agit donc d'un unboxing d'un arrivage de disques essentiellement des années 80 en pressage japonais, en import japonais de chez Record City, mon disquaire favori de Tokyo, parce qu'il y a un bon rapport qualité-prix, bien que les prix commencent à augmenter. Et je me rabats un petit peu sur des versions qui sont moins cotées, moins chères. Vous voyez, toujours hyper bien emballé à l'intérieur. Je vais enlever le petit carton. Voilà. Alors, on va déjà tout enlever, tout ça. Y en a pas mal. Il faut toujours commander au moins une douzaine de disques pour que les frais de port soient quand même assez intéressant. Alors j'ai pas eu, pour la petite information, j'ai pas eu de droit de douane là-dessus. Donc en fait c'est un petit peu comme avant, j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de droit de douane. Alors on va commencer par Annie Lennox avec Rhythmix Touch, deuxième album de Rhythmix en pressage japonais. Alors c'est difficile d'avoir complet, pour ça que j'ai bien aimé. Donc, de l'avoir, bah, je vais vous montrer la pochette. Alors, dessus, bien sûr, on a Who's That Girl? Here Comes the Rain Again. On a Right by Your Side. Who's That Girl? Voilà. Donc, principaux singles de cet album de 1900, je crois, 83-84, à cheval dessus, avec des crédits. Donc, pas mal du tout, oui. Dave Stewart, voilà, chercher son nom. C'est Dave Stewart là. Donc on a Annie Lennox. C'est toujours très très bien fait. Comme vous avez les crédits, c'est vraiment formidable. Vous avez tout dans le détail. L'intérieur, donc vous avez l'habitude, partie japonaise et paroles des chansons en anglais. Version originale donc. Voilà. Et on a évidemment ce disque toujours dans des superbes conditions. Pareil, et peut-être des fois un petit peu poussiéreux, légèrement poussiéreux, mais voilà, très peu. Hein. Mais donc RCA 1984, voilà, avec des titres de 83, hein, comme Right by Your Side et Who's That Girl de mémoire, c'était des singles sortis pendant l'été 1983. Donc c'est RVC Corporation Tokyo, bon, sous licence RCA. Voilà. RCA. Très joli macaron. Et on a donc cette Eurythmics donc, qui me plaisait. Je voulais des balles dans l'ordre où je les ai reçues. Voilà. Alors enfin j'ai trouvé ce Sgt Pepper. Alors c'est pas l'édition originale, mais quand même. J'ai vu les critiques sur Discogs. Et donc des Beatles, évidemment, inutile de les nommer, groupe anglais bien connu. Et c'était sorti, je crois, à l'origine en 1967, de mémoire, 67-68 par là.
Et évidemment, c'est pas l'édition originale, mais quand j'ai lu la critique d'un collectionneur qui collectionnait tous les Beatles, il a dit que ce disque, cette édition de 1973, qui est en stéréo, c'est pas une édition mono, est peut-être le meilleur de toute sa collection et peut-être le meilleur de tous les disques qui existent. Bon, bah c'est un collectionneur assez connu qui a dit ça. Donc je me suis dit, bah, je vais me lancer, comme il l'avait reçu avec en mint condition et puis aussi avec leur hobby bien complet. Il venait de l'avoir en nouvel arrivage et puis une vingtaine d'euros. Je me suis dit, pour 20 euros, voilà, je me trouve avec un Sgt Pepper quand même. J'avais presque rien des Beatles. On a même la pochette, vous voyez, d'origine. Et on a, évidemment, ils m'ont rajouté une petite distaque. Voilà. Et en fait, vraiment, il était mint de chez mint. Une édition de 73, donc on s'éloigne de 6 ans, hein. Je pense que c'est 67. On s'éloigne à peu près de 6 ans de l'enregistrement original. Bon, il n'y a peut-être pas trop encore de remastering, tout ça. Parce qu'il faut bien distinguer entre le remixage et le mastering. Bon, à l'époque, je pense que ça avait dû être enregistré. Bon, c'était peut-être même des enregistrements mono. Mais on pouvait avoir, supposons qu'on ait un enregistrement en 6 pistes ou 12 pistes. Alors évidemment, vous pouvez avoir un remastering en réglant le médium, les aigus, les graves. Voilà. Donc ça, c'est uniquement un remastering. On rééqualise la bande son qui a été enregistrée sur la bande master qui a été enregistrée d'après les 6 bandes des 6 pistes et les ou 12 pistes selon le cas. Et alors évidemment, si vous en restez là, si vous changez l'équalisation au fil des années, tout ça, c'est pas trop grave. Mais ce qui est grave, c'est quand bon, vous avez 12 pistes ou 6 pistes à l'époque, hein, après il y a eu 24 pistes dans les années 80. Si vous avez 12 pistes, vous avez donc 12, vous avez une douzaine de micros, une douzaine de prises de son. Et là, si vous re-réglez, vous refaites un remixage, il a été fait à l'origine, on a privilégié par exemple les basses, la guitare, la batterie, puis tel autre instrument, un piano, etc. Donc en fonction de l'écoute qu'avait de l'oreille du groupe de l'époque et de l'ingénieur du son en accord avec le groupe, donc le mixage a été refait. Si on remixe en disant, bah tiens, on va forcer sur les basses, on va forcer sur le piano, on va forcer sur la guitare, etc. Bah, on change complètement l'esprit du morceau. Et là, c'est un remixage. Voilà, c'est plus un remastering. Alors là, je pense qu'on était encore dans le mastering, dans le master d'origine. Voilà. Made in Japan, évidemment. Alors, c'était bien sûr Apple Records, mais je pense. Je regarde si j'ai rien d'autre dedans. Je pense que c'était une licence, hein. Je vais voir donc licence. C'est dans le noir, on ne voit pas. Donc MFD by c'est Toshiba, EMI Japan qui édite ça. Je crois que c'est aussi EMI en Europe. Voilà, toujours le petit. Si vous voyez vraiment un disque qui a pratiquement 50 ans. 48 ans, donc c'est pas mal. Donc 73, très bonne critique, très bonne édition paraît-il, mais évidemment stéréo, qui n'est pas édition mono d'origine évidemment. Parce que là c'est beaucoup plus cher, et puis bon, moi j'avais une bonne critique sur celui-ci. Voilà. Donc enfin, alors évidemment dessus, je ne vais pas énumérer la tracklist, il doit y avoir Sgt Pepper's évidemment. Qu'est-ce qu'on a? Getting Better, Good Morning, Sgt Pepper, etc. On a toute la tracklist. C'est bizarre qu'il n'y ait pas quand même le petit insert. Je me demande s'il est vraiment complet. Parce que je m'aperçois que j'ai pas l'insert quand même. J'ai l'opi, mais pas l'insert. Voilà. Faudrait que je vérifie quand même s'il n'y avait pas un insert sur la version originale, et c'est un peu gênant parce qu'on n'a pas les titres. Là, on les a là. Alors, Sgt Pepper's Lonely Heart Club Band, With a Little Help from My Friends, Lucy in the Sky with Diamonds, Getting Better, Fixing a Hole, She's Leaving Home, Baying for the Benefit of Mr. Kite. Et en face B, on a évidemment, Within You, Without You, When I'm 64, Lovely Rita, Good Morning, Good Morning, Sgt. Pepper's Lonely,
Arts Clubland et ED of the Life. Voilà, j'arrive pas bien à lire. Voilà, donc ce que je pouvais vous dire, mais j'ai un doute, faudrait que je vois quand même s'il n'y avait pas un insert, ce qui expliquerait son prix assez bas, mais enfin le reste est impeccable. Alors, ensuite celui-ci qui est difficile à trouver, complet. Voilà, donc Adam and the Ants, le troisième ou quatrième album selon qu'on se place. Et on a évidemment, bon c'est un petit peu la même chose, c'est un gatefold. Voilà, on a donc intérieur quoi. C'est le même que l'anglais que je vous avais présenté, si ce n'est qu'il y a un nobby. Voilà. Donc avec le morceau Prince Charming et Stone and Deliver dedans. Donc album de 1900, je dirais 80, 82, je vois, c'est édité en par Sony Music. Je vois, je vais vous dire. Donc Epic. Epic pour le Japon, sous licence Epic, CBS, ouais. Donc 1981, c'est ça, fin 81, c'était sorti. Fin 80, avec les singles Stand and Deliver et Prince Charming. Ouais, très bon morceau. Donc Adam and the Ants, avec ça, ça on le retrouve dans le disque. Voilà. Ça, on le retrouve. Ça, c'est la pochette en fait intérieure, si vous voulez, du disque anglais, la version anglaise, avec les paroles. Et là, vous avez tout ce qui est japonais. Voilà. Donc, il y a bien son petit insert. Il est complet, celui-ci. Et avec le poster que j'avais également dans toutes les autres versions. Donc, c'est le même en fait. C'est le fameux poster. Enfin, je vais vérifier quand même si c'était le même, s'il y a eu petit changement. Voilà. Donc, le même poster que je vous avais montré. Le fameux Prince Charming. Voilà. Hop. Ensuite, Madonna. Donc, voilà, je n'avais pas celui-ci en pressage japonais avec une pochette différente. Il n'était pas cher du tout. Alors là, on a juste Angel, l'Extended Dance Mix Version de 1984 sur Sire Records Japon. Et on a évidemment aussi, je crois, Into the Groove, si mes souvenirs sont bons. Oui, Material Girl, Into the Groove et Angel. Donc, on a trois remix. C'est sorti en 83. 84, 85, donc édité en 85. On a aussi le petit disco des premiers albums de Madonna. Voilà, donc bon, 3 remixes, c'est assez avantageux. C'est assez bien pour un prix quand même assez modique. Voilà, donc chez Sire Records, je pense que c'est sous licence. C'est pas marqué. Donc Angel, on a. Madonna, Steve Bray, donc remixé par James Farber. Et puis on a donc Material Girl, l'Extended Dance Mix, Peter Brown et de Robert Rance, et Into the Groove qui n'a pas été donc apparemment remixé. Voilà. Produit par Nile Rodgers, remix by John Jellybean Benitez. Voilà. Pas mal de renseignements sur ce qui est japonais, c'est super bien. C'est super bien. Je ne sais pas si vous arriverez à lire. Voilà, donc, très beau maxi, enfin triple maxi. Et puis un petit autre gossip qui avait été lancé par la British Electric Foundation après la scission de Human League par le groupe Even 17 ou Even 17, puisque eux-mêmes ils s'appellent Even 17 dans leur chanson. Donc, autre gossip qui avait sorti après, alors en solo, hein, en dehors de la British, de la BEF ou British Electric Foundation d'Even 17, qui avait sorti en 1985, c'est marqué. J'avais souvenir 84, mais bon. Break Me Into Little Pieces avec très bon morceau disco synth-pop. Bien. Avec une version instrumentale. Et une version instrumentale, une version chantée. Et là, on voit bien les membres du groupe. Là, je vais sortir la sous-pochette, vous voyez.
Et j'avais un maxi donc avec une pochette générique. Et alors le centre avait été mal, il avait été mal centré au perçage et donc il y avait du pleurage. J'avais eu beau racler, refaire le trou, ça avait été difficile. Donc ça avait été difficile pour moi de voilà. Ça avait été très difficile pour moi de supporter ce pleurage et je ne l'avais pas retrouvé, ce qui fait que j'avais jamais bien pu apprécier ce morceau à sa juste valeur. Donc ensuite, alors 12 inches single. Donc en 45 tours. Donc un port japonais hein, de. Donc chez Victor. Il y a quelques poussières. Je cherche le label. Donc à l'origine, je crois que c'était qui avait cette. Moi, j'ai plus le souvenir. Produit par Yann Levin et Fiatra Trench. Voilà. Donc Tokyo. Japan 1985, c'est tout. Je me souviens plus qui c'est qui pressait ça à l'origine. Voilà, il y a marqué Victor. Voilà. Donc voici. Ensuite, attendez, excusez-moi parce que. Excusez-moi, il y avait quelqu'un qui voulait forcer la porte de mon bureau. Et ça me faisait un bruit gênant. Alors, donc, on continue, on poursuit. Bon, ça vous fait une petite pause. Donc, ah oui, alors, Modern Romance, je vous avais montré donc ce groupe un petit peu New Wave, tendance, salsa, et puis musique sud-américaine, avec Joe Fredin, David Chen, etc. Je ne vais pas tout vous indiquer tous les noms. Et je l'ai pris pourquoi en import japonais? Bon, d'abord, il faisait 5 dollars. C'est pas beaucoup. Puis la Sonobi, il est complet. Et ils avaient sorti en 1981, donc fin 81. Donc cet album, Modern Romance, Adventures in Clubland. Et donc c'est leur premier album. Voilà. Donc je vous montre. Très belle pochette, cartonnée, tout ça. Et donc ça a été pressé par WEA. Voilà, WEA, avec aussi, alors dessus on retrouve, en fait, il n'y a que des singles, que des maxis, c'est pour ça que je l'ai pris, tout est bon. Vous avez Bring on the Funkators, un single, Nothing Ever Goes the Way You Plan, Queen of the Rapping Scene, alors ça c'est, ça s'enchaîne, c'est aussi un autre single, Clubland Mix Everybody Salsa, c'est un autre single, Moves on the Loose, Salsa Raspodi et aïe 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 moi aussi. Donc en fait il n'y a que des singles, j'ai tout en maxi, il y a des versions maxi. C'est vraiment une superbe compilation, superbe premier album, comme on veut. Et là on voit donc c'est un petit peu new wave, mais surtout il y a du rap aussi. Il y a du rap, il y a de tout. C'est assez cuivré, ça fait penser un peu à Aircut 100 et puis à ABC, mais quand même beaucoup plus Kid Creole and the Coconuts aussi. Un peu un mélange de toute cette époque, de cette folle année 1900, fin 80-82, où il y avait beaucoup de musique exotique, dirons-nous, à influence soit africaine ou asiatique même, ou sud-américaine. Alors ensuite, le deuxième album du groupe irlandais U2, October, sorti en 1900. Si mes souvenirs, 81, je crois. Oui, c'est ça. Ça a été enregistré en juillet, août, juillet 81, octobre. Là, il était complet aussi. J'espère, parce que je vois qu'il n'y a toujours pas d'insert. J'ai toujours peur. Oui, ça se trouve, parfois, les inserts ont disparu. Donc, chez Island, 1981, avec tous ces titres, évidemment, Gloria, Fall Down. A tree, a brick, through a window, rejoin a fire, tomorrow October, with a shout, a stranger in a strange land, Scarlet, is that all? Voici le, pour ceux qui connaissent pas bien. Ah, donc,
Voilà, chez Island. Ce sont tous des imports japonais. Enfin, l'essentiel, c'est d'avoir l'hobby quand même. Ça prouve que le disque est en bon état. Ensuite, très bon, moi, c'était pas cher du tout, ça aussi. Très bon disque de M, le groupe de Robin Scott. À chercher son nom. De Robin Scott, avec du Andy Warhol, on a remarqué Einstein. Et donc M en 1979 avec son fameux morceau qui a fait le tour du monde, Pop Music. Et il n'y avait pas que ça d'ailleurs. London, alors New York, London, Paris, Munich, voilà, c'est pour ça qu'il a appelé M. Voilà, c'est le titre de l'album. Alors il y a Pop Music, Woman Make Man, Modern Man Satisfy Your Lust, Made in Munich, et vous avez Moonlight and Muzak, un autre single, That's the Way the Money Goes, un autre single, et Cowboys and Indians, un autre single. Vous aviez pas mal de remix sur différents maxi. Voilà, donc les crédits en japonais, pareil, et en anglais, évidemment. Les paroles des chansons, voilà. Pop Music, vous en souvenez certainement. Bon, là, il y a son insert, et puis alors vraiment, il est en très bon état. Difficile à trouver avec son hobby, celui-ci. Voilà, avec un joli macaron de chez Universal California, USA. Mais pourtant, c'est japonais. Hein. Voilà, donc ça doit être sous licence California. Je ne sais pas si ça a été changé, si on a bien le bon disque. Il faut quand même se méfier. À vérifier, parce que je vois pas de. On va voir. Oui, Tokyo, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Donc, chez Victor Musical Industry à Tokyo, au Japon. Voilà. Donc, j'en suis sûr. Voilà, vous voyez, il y a quelques poussières. Bon, même s'il n'y a pas de rayures. Bon, pour 5 dollars, il faut pas faire la fine bouche. Voilà. Par contre, le YouTube était un peu plus cher. Voilà. On ne trouve plus à 5 euros. Ensuite, on avait alors de la trilogie de Pat Benatar, Crimes of Passion. Je crois que je ne l'avais pas présenté. Je ne l'avais pas d'ailleurs vu sortir. On s'est toujours bien présenté dans des pochettes comme ça, avec son hobby. Donc, il s'agit du troisième. Je crois que c'est celui de. Oh. Je vais vous le dire pour les années. Donc, Pat Benatar. Donc. Chez Chrysalis et ça a été édité en 1980. Voilà, c'est l'album de 80. C'est pas celui de 81 ni celui de 79. Voilà. Donc je n'ai plus le titre en mémoire. Alors, qu'ai-je fait de la pochette intérieure? J'ai laissé dedans. Ah oui, c'est dedans. Hop. Et dedans, il y a aussi un petit insert. Ah, celui-là, par contre, il est. Voilà. On met dedans. Donc chez Chrysalis, hein, c'est très joli macaron. Oui. Chrysalis sous licence. Non, c'est tout. Voilà, c'est Chrysalis, c'est le Japon. Bon, c'est RCA hein, qui distribue Chrysalis, je crois, de mémoire. Voilà. Pat Benatar, nom du groupe. Superbe chanteuse, fait penser un peu aux Pretenders. Voilà, donc on avait l'album d'avant, celui-ci. J'ai pas le nom, il est pas en. J'ai pas assez de notes, mais on connaîtrait la pochette. Voilà, je vais vous montrer l'album après, mais c'est tout. Donc, bon, après, c'est toujours pareil. Voilà. Bien tout. Si vous voulez l'acquérir, voilà, vous verrez qu'il est complet s'il a tout. Alors, Treat Me Right, You Better Run, Never Wanna Leave You, Hit Me With Your Best Shot, Hell Is For Children, en face B, Little Paradise, I'm Gonna Follow You, Wuthering Heights, Prisoner of Love, Out Touch, voilà. Alors, etc. Donc, Vocals, voilà, Pat Benatar, comme chanteuse. Je ne vais pas vous citer tous les membres du groupe, ils sont inscrits ici. Voilà. Pas mal du tout. Donc,
Donc, très bon album que je vous conseille. Bien que je cherchais depuis bien longtemps en pressage original, j'avais le pressage anglais, j'avais la réédition. Kate Bush, évidemment, avec son fameux single dessus, Babushka. Et le titre, c'est Never Forever, évidemment, de chez EMI. Alors, donc, regardez ça, il est impeccable pour l'avoir avec son hobby complet. L'insert, c'est très, 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 je peux vous dire, pour avoir les originaux de cet album à cause du single Babushka, ainsi, oui, c'est ça, c'est très difficile, qui avait fait un méga hit. C'est très, 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 très difficile de l'avoir impeccable comme ça, il est vraiment neuf. Je vais même enlever l'oubli. Vous n'avez pas que ce titre dessus, bien sûr, hein, vous avez Babushka, Deduce, Blow Away, All We Ever Look For, Egypt, The Wedding List, Violin, The Infant Kiss, Night, Scented Stock, Army Dreamers et Breathing. Voilà. Je vais voir les titres un petit peu plus près. Donc, très 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 beau disque. Vous voyez, il est dans un parfait état. Parfait état, parfait état. Ben, ce sont des disques qui tournent aux alentours de quand même de 20 euros, entre 15 et 20 euros, parce que ça doit faire 20, entre 20 et 25 dollars. Mais ça vaut le coup, hein, plutôt d'acheter neuf, vaut mieux acheter un original qui est impeccable. Et ici, donc, on m'a dit EMI sur la pochette, oui. Donc, c'est Japon, effectivement. Donc, 1980, évidemment, hein, c'était un single qui avait cartonné en 1980-81. Donc, Babushka, EMI, voilà. Un très joli macaron. Un très beau macaron. Soigné. Et puis en état mint. Voilà. Surtout ça qui est difficile de le trouver. Donc très joli. Insert en japonais aussi. Voilà. Ensuite, on passe à Talking Heads. Avec Little Creatures, j'ai préféré prendre. Bon, il y en avait deux, l'un depuis un certain temps, mais il y avait des défauts sur le disque. Enfin, il avait des défauts. Et puis celui-ci était complet, si ce n'est une étiquette qu'il y avait ici. Une étiquette, j'ai préféré avoir l'étiquette, mais avoir un super mint. Alors, qui sait, c'est EMI aussi. EMI. Voilà, Talking Heads. Avec le fameux Road from Nowhere, de mémoire, Road to Nowhere, sorti en maxi, c'est de 85, ça, c'est de mémoire, tout ça, 85-86. On va voir ça avec, évidemment, David Byrne, si mes souvenirs sont bons. Oui, David Byrne, guitare et vocal. Après, bon, je ne vais pas vous énumérer tous les membres du groupe. Et là, on n'a rien à l'intérieur. Donc, je vous remonte vraiment super pochette, si ce n'est la petite étiquette. Mais c'est sympa aussi d'avoir des. Et regardez ça aussi, si c'est pas beau. Bon, c'est à la reprise un peu de la pochette intérieure originale, américaine ou anglaise. Vous avez ça, mais en plus, les Japonais ont ouvert, pour éviter la pochette, ont ouverte et ont mis des crédits et des paroles en japonais. S'il vous plaît, tout est traduit. Je sais pas s'il y a une discographie là, non. Pas du tout. Voilà, donc EMI Japon. Ah oui, il était indiqué comme mint. Effectivement. Voilà. Bon, là, il faut quand même compter entre 15 et 20 euros là, pour ce genre de disque dans cet état-là, complet comme ça. Voilà. Pretenders aussi venait de. Avait la même origine. Tout ça, ce sont des nouveaux arrivages chez eux, hein, chez Record City. Alors, on a Pretenders, Learning to Crawl, Pretenders One, album éponyme. Alors, Learning to Crawl, donc Real, le label. Groupe américain bien connu. Middle of the Road, Back on the Chain Gang, Time the Adventure, Watching the Closes, Show Me, Phase B, Tom Veina, My City Was Gone, Thin Line Between Love and Hate, I Hurt You. 2000 Miles, produit par Chris Thomas, entre 1982 et 83 chez WEA et c'est sous licence Phonogram à Tokyo. Voilà la tracklist si vous voulez.
Et donc voilà, on retrouve, donc c'est la même origine, ce sont des nouveaux arrivages. Ça, et voilà, pour le trouver bien complet, alors oui, il y a aussi bon macaron. Alors c'est le même prix que si vous l'achetez neuf, même moins cher. Alors moi je l'avais pas du tout acheté en réédition. Et après, bon, il fallait compter une trentaine d'euros. Ben là, pour 20 euros à peine, vous avez l'édition originale japonaise. Voilà. C'est vachement plus sympa que d'avoir l'édition européenne ou américaine, mais de maintenant, qui est sortie il y a quelques années déjà, moins 5 ans. Quelques années. Bon, pareil, même origine, nouveaux arrivages aussi de chez Record City, le Pretenders 2 que j'avais en réédition et là que je vais qui est tellement bon que je vais réécouter en version non remasterisée ou remixée en 1981, Pretenders 2. Voilà, je vais vous dire les titres avec le fameux slow. Dessus qui est vraiment formidable. Alors on a dessus The Adulteress, Bad Boys Get Spanked, Message of Love, I Go to Sleep, Birds of Paradise, Talk of the Town, en face A, et en face B on a Pack It Up, Waste Not, Want Not, Day After Day, Jealous Dog, The English Roses, Louis Louis. Tous ces titres et le fameux slow, j'appelle slow, qui était comme Babouchka, mais c'est au lieu Babouchka, c'était plutôt 1980, et là c'était plutôt 1981 puisque l'album est sorti ainsi que le single en 1981. Voilà, mon très beau disque, je vous le remontre, pochette cartonnée en bon état. Et ensuite le dernier, un Psychedelic Furs. Bon, ils en avaient, mais pas complet également. Mais là, ce sont des tout ça, ce sont des nouveaux arrivages hein, qu'ils ont eu parce qu'ils sont complets. Notamment, je vérifierai quand même pour le Sergent Pepper s'il y avait un insert ou pas. Voilà, peut-être pas. Hein. C'est possible que non, parce que j'avais vérifié normalement. Alors, on a donc Psychedelic Furs. Vous voyez, même origine. Il y a encore ce stockage. À mon avis, c'était des stockages d'archives. Les archivages, parce qu'ils sont vraiment parfaitement neufs. Alors, je crois que c'est le quatrième album, comme et le troisième album, comme indique la discographie de The Psychedelic Furs, groupe anglais évidemment. Et voilà. Donc, Mirror Moves. Je regardais l'année. Et dessus, bien sûr, il y a Heaven, dessus qui était sorti, le single était sorti en 1984. Je sais plus. Il y a pas mal de tubes, un petit peu plus commerciaux, c'est un petit peu moins punk. Donc on a les titres. Voilà. Je cherchais les singles les plus connus. Donc Heaven et Heartbeat. Voilà. Heaven et Heartbeat, qui sont deux maxi qui étaient sortis à l'époque en 1984 et 85. Et l'album, j'ai toujours pas l'année. Bah écoutez. Je crois de mémoire que c'était 84-85, peut-être l'album est sorti début 85. Je ne sais pas exactement. Ouais, début 85, je crois, de mémoire. Et là, on a aussi un petit poster, j'ai l'impression. Je vais voir s'il y a un petit copyright là. Ouf, c'est quand même assez long. Bon, un petit poster avec les paroles et les crédits en anglais. Et de l'autre côté, en japonais. Je vais peut-être vous donner l'année. Non, il n'y a pas. C'est étonnant, mais voilà. Donc, tout ça, c'est en japonais. C'est quand même bizarre, parce qu'il y a toujours un petit copyright, Made in Japan. Voilà, j'aime bien quand même 1984. Voilà, ça y est, on l'a trouvé en tout petit. Donc, c'était bien sorti la même année que les singles Heartbeat et Heaven. Donc, chez Epic, évidemment. Epic, et après ça, japonais, hein, c'est toujours, je vérifie quand même, parce que je les découvre avec vous, hein, donc c'est pour ça que il y a certaines hésitations, mais comme ça, vous avez la primeur de connaître ce que je découvre. Voilà ce que je pouvais vous dire. Voilà, déjà 39 minutes, comme le temps passe. Et bien voilà, donc n'hésitez pas à partager la vidéo, à la liker, à vous abonner, et je remercie vos commentaires aussi, très pertinents souvent. Et aussi, n'hésitez pas à partager la chaîne et à liker toutes les vidéos. Salut, à bientôt, avant que j'arrive à 40 minutes. Allez, à la prochaine vidéo.
Bonnes vacances.